Ça vous gêne? Ça vous gêne ou ça vous gêne pas? Ok. Voilà donc 800. 825 000. Ok. Où est l'argent? Tout va. Voilà, tout est transparent. Les gens ont cotisé combien? Les gens ont cotisé 1 million. 1 million, hein? Oui. D'accord. Tu as acheté le téléphone. Oui. Maintenant, tu achètes le billet d'avion. Maintenant, il lui faut l'argent pour son opération. Maroc, Camerounais au Maroc, vous pouvez déjà attendre un besoin. Vraiment, merci pour beaucoup pour votre langue de générosité. Vous avez répondu comme des hommes. Voilà, nous sommes à l'agence. Hein. Voilà. Passe. Asfa, Abonanjo. Voilà. Asfa. Nous sommes ici à Abonanjo. Et voilà, donc, Amanda décolle, elle va au Maroc le 2. Le 2 mai. Le 2 mai, elle va au Maroc pour son opération. Comme vous savez, Amanda souffre d'un problème congénital. D'un problème congénital et elle doit se faire opérer. Et on a choisi le Maroc. Vous avez la cagnotte qui est affichée là. Donc, vraiment, il faut 5000 euros. On a préféré commencer par le billet d'avion. Hein? On a préféré commencer par le billet d'avion. Ce qui est sûr, il y a les Camerounais. Il y a plein de Camerounais au Maroc qui vont accueillir Amanda. Et on va continuer à cotiser. Hein? Hein? Vous voyez, moi-même, je cotise. Je me prive de tout, je sacrifie mon temps. Comme me disait Lily au Canada, que le social, ça demande beaucoup de temps. Beaucoup, et c'est vraiment beaucoup de temps. Parce que je n'ai plus de vie. Il faut que je fasse mon programme. Voilà, par rapport à Amanda et tout et tout. Bonjour, madame. Bonjour. Voilà, donc... Amanda va prendre un billet. Elle transite par le Sénégal. Ça, non? Oui. Sénégal. Vous pouvez nous dire un peu, madame? Oui. Elle s'appelle Kidouala. Elle transite de Dakar, le Sénégal, pour arriver à Casablanca. Elle quitte Douala avec Air Sénégal. Elle continue avec Royal Air Maroc sur Casablanca. Le retour, c'est la même chose. Elle quitte Casa, Dakar et Dakar, Douala. C'est ah. Ça. Voilà. Elle quitte à 11h20. Elle arrive d'accord à 16h10. Elle va continuer à 2h30 pour arriver à Casa à 5h35. Okay. Elle quitte le 2 mai, elle va arriver le 3 mai. Okay. Pour le retour, elle quitte le 31 juillet pour arriver voilà, le 1er août. C'est la même routine. Ok. Voilà, un billet d'avion valable pour 3 mois comme son visa. Voilà, Amanda, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça fait à maman à la maison? Dis un peu. Quand tonton Longuet t'a rappelé un an après, pour te dire, viens, j'ai trouvé, comment on appelle l'agence là? Santé Plus. Santé Plus El Maroc, c'est ça? El Maghreb. El Maghreb. Voilà, je suis allé poser ton problème là-bas et je t'ai appelé que Amanda vient. Voilà, et on a trouvé une solution. Et j'ai relancé le direct, les gens ont cotisé. Ah, dis-moi un peu l'impression de la famille. Oui. Déjà quand j'avais reçu votre message, c'était à 4, vous m'avez laissé un recevoir un numéro. Il faut que j'appelle le contact là. Bon, le matin que je m'étais réveillée, vous m'avez appelé que je dois aller. C'est une évacuation sanitaire. J'ai pleuré. J'avais beaucoup pleuré parce que j'avais à désespérer. Bon, je savais que, bon, quand ça fait un an, on ne s'écrivait plus, il n'y avait personne qui réagissait plus. Bon, je savais que c'était bon comme ça là. Donc, c'était une surprise terrible. Et quand j'avais fini d'envoyer tous mes dossiers par PDF, quand j'étais rentrée à la maison, j'ai dit ça à maman. Maman pleurait, toutes mes soeurs étaient contentes. Ouais. Tellement contentes. Ouais, que le libérateur est revenu libéré. Oui. Et quand j'ai eu la totalité de la somme du billet d'avion, quand j'ai dit ça à maman, maman pleurait là, moi-même, j'ai tout ce temps, c'est fait que pleurer, le stress. Donc, je suis tellement débordée de joie. Ouais.
parce que tout le monde s'est mis dedans, juste même les prêtres à l'étranger m'ont envoyé de l'argent. Uh-huh. Oui. Donc presque tout le monde entier. Ouais. Uh-huh. Ouais, ça fait. Oh, l'Éternel est merveilleux. Eh, longue, longue. Vous allez pleurer, longue, longue, quand il sera plus là. Le fou, là. Vous allez pleurer, le fou, là. Quand il ne sera plus là, le fou. Qui sauvait des vies. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Tu as deux pas. Tu as deux pas de la guérison. Il faut que Amanda, vraiment, vous avez le numéro d'Amanda. Pour ceux qui aimeront, envoyez les mandats à Amanda directement. Et vous avez la cagnotte qui est là. Tu mets combien points, Amanda? Vous avez la cagnotte. J'ai réussi à le coller cette fois-ci. Donc, vraiment, nous sommes à deux pas de donner le sourire à Amanda. Vous voyez? Nous sommes à deux pas. Vraiment, envoyons nos contributions. Envoyons nos contributions, s'il vous plaît. Alors, madame, vous n'êtes pas peut-être au courant. Amanda, c'est une femme comme vous, mais elle a 27 ans. Elle n'a jamais eu de rapport sexuel parce que son vagin est fermé. Donc, on doit l'opérer. Ça, on dit problème. Elle a un problème congénital. C'est ça, non? Oui. Elle a un problème congénital. Et on s'est battu ici, battu. Ça n'a pas marché. Maintenant, on a trouvé, grâce à Santé Plus, Elle Maghreb, on a trouvé un hôpital au Maroc où on peut l'opérer. Et maintenant, l'ambassadeur des causes sociales, Longuet Longuet, a lancé le direct, a appelé les Camerounais et les Camerounais ont répondu présent. Ils ont cotisé déjà 1 million. Et on s'est dit, c'est mieux qu'on achète d'abord le billet d'avion. D'abord, parce que même si on a les 5000 euros pour l'hôpital, il va falloir le billet d'avion après. Donc on a dit, ok, on commence par le billet d'avion. Et maintenant, il faut maintenant... Elle peut même aller au Maroc. Moi, je continue à lancer les directs, que l'argent ne suffit pas. J'ai dit, on ne m'envoie rien, rien. On ne m'a rien envoyé. On envoie tout à Amanda pour que ce soit transparent. Moi, j'ai touché l'argent d'Aï parce que c'était l'album. C'est moi qui réalise l'album d'Aï. Et j'ai donné à Beka Tobi, j'ai arrangé avec Beka Tobi 500 000. Je lui ai donné 400 000 en tant qu'arrangeur. Donc, il restait 100 000. Et depuis, nous attendons qu'ils nous disent que venez chanter l'album d'Aï. C'est pour ça que l'album d'Aï, il traîne. Tu vois? Voilà, et j'ai mis le paquet. Vous avez vu le clip d'Aï. Il y avait Papa Saleh, au moins 6 groupes d'Ambassibé, le Dimbambe, tout ça. J'ai investi au moins 1 500 000, rien que pour le tournage du clip d'Aï. Bonjour. J'ai géré l'argent d'Aï parce que c'est l'album. Ça dit, parce que j'ai l'expérience de 20 ans de carrière. Mais en ce qui concerne l'opération d'Amanda, c'est elle-même qui doit gérer ça. Hein? Amanda, ça va aller. Hein? Madame, le billet est prêt? On peut vous donner déjà l'argent? Compte. Si c'est plus, tu enlèves. Que ce que tu gardes, hein? Voilà, vraiment, envoyez vos contributions pour qu'on sauve, qu'on donne du sourire à Amanda. Amanda mérite aussi avoir une vie comme toutes les femmes. Comme toutes les femmes. Vous avez la cagnotte qui est là, vraiment. Il suffit de taper seulement, même 20 euros. Vous allez voir 5000 euros. Vous êtes déjà 500 personnes connectées. 500 personnes connectées et je sais que ça, c'est rien. Donc, si vous tapez 20 euros, 20 euros fois 500, ça fait combien? Ça fait 1000. Ça fait 1000? 1000 euros. 20 voilà. euros fois 500, ça fait 10 000. 10 000 euros. Oui. 20 euros fois 500 personnes. Fois 500. Ça fait 10 000 euros. Ça fait combien? 10 000. 10 000, hein? Hein? 25 000? Non, il a dit 500 fois 20. Il a dit 20 euros oui, fois 500. Ça fait 10 000 euros. Vous voyez? Donc il suffit même de mettre seulement 10 euros fois 500 comme vous êtes connecté là.
Ça va faire 5 000. Vous voyez? Je dis merci à Harry Mamosa, Bamin Daboy, le président du bas peuple. Je dis merci à Afro Benelux. Afro Benelux, les voitures. Le seul endroit où vous pouvez acheter les voitures à l'hôtel Ondé, c'est chez Afro Benelux. Parce qu'il y a trop de fausses voitures. Trop de fausses voitures dehors. Il fallait donner un compte. Si l'agent reste, il va te rembourser. Donne-lui un compte et tout. On ne mange pas le genre d'argent là. J'ai dit que je ne touche pas ça. Et Amanda. Je suis en direct, s'il vous plaît. Je suis en direct. Ne m'appelez pas. Attendez, finis le direct. Ou alors la personne veut me dire quelque chose. Voilà. Donc, vraiment cotisant, vous avez la cagnotte qui est collée là. Tu donnes combien point comme c'est ça, non? Oui. Nous disons merci à Santé Plus Maghreb. Hein? Oui. Santé Plus Maghreb qui nous a aidé à obtenir le visa. Mais il faut dire que j'ai dépensé pour le visa là. Oui. Hein? C'est moi qui ai financé tout. Oui. L'achat du visa, transport, tout, hébergement à Yaoundé. C'est Longue Longue qui est dépensé tout. Hein? Oui. Voilà, il faut le préciser. Même le passeport, la carte d'identité. Hein? Mm-hmm. C'est Longue Longue, non? Bien sûr. Voilà. C'est ça. Un fou qui fait les bonnes choses. J'ai jamais vu. Yeah! C'est ça. Amanda va revenir ici bien et elle va trouver son fiancé. Tu as déjà quand même quelqu'un, un fiancé quand même. Mm-hmm. Tu n'as pas encore. Jusqu'à 27 ans. C'est dur. Hein? Ouais. Oh. Quand les autres filles, il y a le mignon. Amanda, elle a SO. Et surtout quand c'est ta période de règles. Tu sens mal. C'est ça, non? Parce que tu règles dans le ventre. Ça ne sort pas. Merde. Tu imagines? Alors que les règles, c'est la saleté de la femme qui sort. Ça doit sortir. Mais ça reste dans toi. C'est ce qui te déforme même. Je vois déjà, tu es déjà un peu... C'est ça, non? Là, les gens là vont t'opérer. Il va falloir nettoyer. Ouais. L'argent est resté combien? 5 000, hein? OK. Je crois qu'il va rester où c'est 35 000, c'est ça, non? Voilà, donc ce qui reste à mandat, c'est tout ce que vous avez cotisé, c'est 35 000. Parce qu'elle a acheté le téléphone aussi. Elle a acheté le téléphone. Voilà. Vraiment, l'Éternel est merveilleux. Merci Seigneur. C'est toi qui m'as donné la vie, Seigneur. Amanda, prends le reste d'argent. Voilà. 35 000. Qui reste sur ce que vous avez cotisé. Voici le téléphone. Nom de téléphone. Voilà, parce que c'est sur ça qu'on t'appelle. Tu vois, parce que quand les gens appelaient l'autre jour, on n'entendait rien. Vous pouvez appeler maintenant. Hein? On va arrêter le direct parce que on fait un direct autour de 20 minutes juste pour informer qu'on achète son billet d'avion. Hein? Oui, sur son numéro là. Donc, le nom va sortir. Le nom Orange Money, c'est... Onanambala Cécile. Arcel. Donc, si vous envoyez l'argent par Orange Money, le nom qui apparaît, c'est le nom de la petite sœur d'Amanda, Onanambala Cécile. Mais si vous voulez envoyer un Orange Money, vous envoyez au nom de Bezoa. Si vous voulez envoyer un monogramme, Western Union, vous envoyez au nom de Bezoa Mbala Babine Amandine. Voilà. Voilà, l'Éternel est merveilleux. La mort est un voleur, chacun doit écrire son histoire. Je sais que je ne suis pas parfait, mais j'ai fait des efforts. Donc, je vais faire un direct
pour demander. Je dis déjà merci à ce Janango qui m'a demandé pardon parce qu'il avait cru que le faux profil qui le sabotait, qui l'insultait, c'était moi, alors que ce n'était pas moi, c'était un faux profil. Et il a eu la grandeur d'esprit parce qu'il y a des gens qui vous offensent, mais qui ont l'orgueil, qui sont orgueilleux, qui sont incapables de demander pardon. C'est la moindre des choses. Pardonner à son ennemi n'est pas synonyme de faiblesse. Pardonner à son ennemi n'est pas synonyme de faiblesse. Voilà. Donc, je profite de cette occasion. Je vais donner je vais faire un direct ce vendredi pour demander pardon à une grande dame. Une grande dame, Mika. Une grande dame avec qui on a fait beaucoup de grandes choses. Et même nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Je l'ai estimée, je l'ai aimée, elle m'a aimé. Mais à un moment, je suis devenu jaloux. Je suis devenu jaloux. Si je serais même un Français, j'allais passer au suicide. Voilà. Vous savez, quand un Français est en colère, il prend l'arme. Hein. Quand un Français, un blanc est en colère, lui prend l'arme une fois. Il arrive où vous massacre vous tous. Il dit que allez-y là-bas. Donc à un moment, j'ai beaucoup aimé Nika. Et voilà. Je l'ai vraiment offensé. Je l'ai offensé. Je l'ai fait du mal. Parce qu'elle a mal pour ça. Elle a mal et vraiment. Ça c'est pour vous annoncer que je ferai un direct ce vendredi à partir de 18h pour un direct spécial pour demander pardon à Nika. Donc j'aimerais que vous vous préparez, vous appelez pour ça, pour dire ce que vous pensez, chacun donne son avis, si c'est bien fait de lui demander pardon. Si je m'étais mal comporté, bref, chacun est libre d'appeler pour dire ce qu'il pense. Mais dimanche, vendredi soir, direct spécial pour demander pardon à Nika. Voilà. Donc, en ce temps, le billet d'avion de. Voilà. Voilà, le billet d'avion est là. Tout l'argent est motivé. Hein. Oui, Aspa Travel. Aspa Travel. Vous allez? On va aussi cotiser pour sa guérison aussi. Voilà. C'est très important. En anglais. On est content qu'on a reçu notre sœur et on va aussi participer pour voir qu'elle est guérie. You can speak English. Speak English, please. We are grateful that we receive our sister in our agency. Yes. It's a privilege to us, uh-huh. And we are ready to assist. We uh-huh. will also assist her. So we thank God and we know that everything will be successful. Yeah. Thank you. Yeah. Amanda, beaucoup de courage. Voilà, donc. Voilà ça. Merci, Amanda. Let's go, please. Hein. La fille de Dieu. Dieu avec toi, Amanda. Heureusement que tu pries beaucoup. Tu ne peux pas imaginer combien de personnes m'appellent par jour pour demander les aides. Que pardon, on a vu comment tu aides les autres, aide-nous aussi. Mais ce n'est pas tous les cas qu'on peut aider. C'est ça. Si on veut que je fasse dans ça, qu'on me donne un local, qu'on me donne les moyens, les véhicules. S'il me faut un local avec les matelas, les gens peuvent partir de partout. Voilà. C'est ça. Pour créer la fondation, il y a des milliardaires. Normalement, un milliardaire à Yaoundé devait même dire que voilà 2 millions. Il y a les gens qui ont gardé l'argent dans les chambres. Il y a les gens qui ont gardé l'argent dans des chambres à Yaoundé qui pouvaient dire que voilà 2 millions, voilà 5 millions. Hein?
Voilà. Elle a toujours ce problème. Oui, elle a toujours ce problème de se mettre à l'aise. C'est Dieu qui va payer. Merci. Je disais que, Amanda, il y a des gens qui ont des millions gardés à Yaoundé dans des chambres. Tu entres dans une chambre à Yaoundé, tu vois un. Ça dit l'étage des gens. L'étage. Et, qui pourrit. L'argent pourrit, l'argent est déjà moisi. Voilà Bezoa Mbala. Elle s'appelle Bezoa. Donc c'est une fille bêtise. Elle souffre. Il faut que les gens envoient les 50 000, les 100 000, les ceci. Alors que si on va regarder dans sa tribu, il y a peut-être trois ministres. Bon, rendez-vous à vendredi. Merci.